Je vais profiter de vous dire deux mots sans abuser du mitro, parce que je ne crois pas que ce soir, ce soit le moment des longs discours. Je voudrais d'abord vous dire mon plaisir d'être ici comme tous les ans, aux côtés du Bet Lubavitch et aux côtés de la famille Asimov. Alors la famille Asimov, pour moi, c'est une histoire, je dirais, hebdomadaire, puisque j'ai l'honneur, le plaisir de prier tous les Shabbats dans la synagogue du Rav Asimov et d'étudier avec lui le samedi après-midi. Donc pour moi, c'est vraiment, je me sens ici en famille. Alors, juste deux mots peut-être pour vous dire que vous avez vu ces derniers jours, vous avez vu à quel point la vie en France devient, on veut nous rendre la vie tellement difficile en France, avec cette hausse des chiffres de l'antisémitisme qui ont bondi de 74% en une année. Alors je veux vous dire de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, parce que la réponse à cet antisémitisme, c'est ici, dans cette salle. C'est ça la réponse à l'antisémitisme. Et tant que nous serons comme ça, tant que nous serons aussi nombreux à nous rassembler, à exprimer la force de notre judaïsme, notre foi en la Torah, notre foi en l'État d'Israël, rien ne peut nous arriver et nous écraserons tous les antisémites, tous ensemble. Alors voilà, je ne ferai pas de longs discours. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci le Bet Lubavitch. Merci au mouvement Lubavitch pour tout ce qu'il fait pour le judaïsme dans notre pays. Merci de nous donner l'occasion de manger kasher et de passer Shabbat partout dans le monde. Pour nous, vous avez rendu, pour nous qui pratiquons, les voyages plus faciles. Merci.